partie. Ça me paraît excessivement douteux de procéder de réforme du mode de succès. Puis c'est encore nous dans les régions qui en ont passé à la casserole. Des régions vont avoir autant de représentations qu'avant. Voyons ce qui se serait passé au lendemain des élections de 2014 si le Québec réformait le mode de scrutin comme le proposent le PQ, la CAQ et Québec solidaire. Supposons qu'on conserve exactement le même nombre de sièges à l'Assemblée nationale et le même nombre de députés dans chaque région du Québec. Avec des élections proportionnelles mixtes compensatoires, les libéraux auraient gagné 7 sièges de moins. Voyons maintenant ce que ça donne en région, avec un exemple, la région de l'Estrie. L'Estrie compte 5 circonscriptions. En 2014, les 5 comtés ont été remportés par les libéraux qui ont pourtant obtenu 40 % du vote dans la région. Dans l'hypothèse d'une proportionnelle mixte compensatoire, l'Estrie pourrait toujours avoir 5 députés. La différence, c'est qu'il n'y aurait que 3 très vastes circonscriptions. Les 2 autres sièges seraient attribués à des candidats provenant d'une liste électorale. Supposons que dans une proportionnelle mixte compensatoire, le PLQ remporte les 3 comtés, toujours avec 40 % du vote. Eh bien, pour compenser le fait que le PQ et la CAQ ont respectivement obtenu en 2014 30 et 20 % des votes, le modèle compensatoire aurait accordé un siège au PQ et un autre à la CAQ. L'Estrie aurait donc toujours le même nombre de représentants à l'Assemblée nationale. Mais au lieu d'avoir 5 députés libéraux comme en 2014, il y en aurait eu 3 choisis directement dans les circonscriptions, puis un péquiste et un caquiste provenant d'une liste électorale. Donc, une répartition des sièges en fonction des intentions de vote des électeurs de la région.